Hello, hello mes chères balances, j'espère que vous allez bien, mes chères balances. Alors, on va faire votre tirage pour le mois de mars 2021. Juste pour info, pour ceux qui s'interrogent par rapport à mon organisation. Alors, vous avez la minuterie si vous voulez passer ce passage-là. Mais pour ceux qui s'intéressent à mon organisation, comme j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard pour le mois de février, j'ai des personnes comme vous, les taureaux, il y a certaines personnes qui ont eu un tirage à partir du 10, je crois, février, pour le mois de février. Donc je vous passe en premier pour ce mois de mars. Et les personnes, par contre, qui ont eu du 15 au 15, donc du 15 février au 15 mars, elles passeront en dernier puisqu'elles ont déjà eu jusqu'au 15 mars. Voilà. Au cas où. Tout est bien pensé. Personne n'est privilégié. Alors, mes chères balances, bienvenue à ceux qui me découvrent aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous plaira. On va aller voir vos énergies avant de rentrer dans le mois de mars, mes chères balances. Ok. Les balances, l'énergie avant de rentrer dans le mois de mars. Pour les balances. Déjà, on me dit que vous vous êtes reconnecté avec votre énergie de balance. Et l'énergie de la balance, c'est de découvrir la beauté derrière la laideur, entre guillemets. C'est-à-dire les difficultés de la vie, les relations décevantes, porter un regard, conserver un regard beau malgré les apparences. Voilà. Vous rappelez que la beauté est partout. Il y a un truc comme ça que je ressens chez vous. J'ai l'impression que vous avez été comme guidé pour soit déménager, soit changer de carrière, en tout cas changer quelque chose et retourner dans quelque chose qui vous fait plus vibrer, quelque chose qui est plus passionnant. Alors ça peut être une histoire d'amour, peut-être à distance avec un 3 de pentacle, de bâton, pardon, c'est possible. Une histoire d'amour qui est plus passionnante, qui est plus vibrante, qui est plus... Vous avez été appelé vers cette personne, c'est possible. Pour d'autres, c'est une carrière, c'est un changement radical de vie, mais voilà, vous avez... C'est peut-être les beaux jours là qui arrivent, je sais pas où vous êtes, mais c'est peut-être ça. Sentir les beaux jours arriver, vous vous dites, allez, je vous reprenais l'espoir, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances avant d'arriver au mois de mars? Ouais, j'ai la roue de fortune. Donc il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui a changé. Vous sentez que vous n'avez plus vous êtes en train de changer de vie radicalement. J'ai le regard sur la citrouille et c'est l'automne. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au moment d'Halloween, fin octobre, début novembre. C'est peut-être passé quelque chose au moment d'Halloween. Halloween, c'est le symbole de la mort. Donc il y a peut-être une part de vous, une personnalité que vous aviez avant, une peur que vous aviez avant qui s'est éteinte au mois d'octobre. Peut-être que ça a mis du temps pour que vraiment, voilà, peut-être que ça a mis 2, 3 mois pour que vraiment vous considériez que, ah, vous n'avez plus peur de ça. Ou, ah, vous n'avez plus envie de telle personne. Ah, vous n'êtes plus dans l'attente de tel projet. Il y a quelque chose qui s'est éteint au mois d'octobre, on me dit. Okay. Alors ça peut être la fin d'une histoire aussi au mois d'octobre. Et là, vous avez l'opportunité de rentrer. On l'est tous un peu, j'en parle souvent, que la nouvelle année, elle démarre à la nouvelle lune du mois de février, mais elle va vraiment être, comment dire, entre la nouvelle lune du mois de février et le solstice d'été, c'est-à-dire le 21 mars quand on rentre dans le printemps, on est dans cette phase de transition, mais très positive. Il y a des choses déjà qui bougent. Comment dire? On est plus dans le cycle d'avant. Je vais juste allumer la bougie. On n'est plus dans le cycle d'avant. Ok? On sent qu'il y a quelque chose qui s'est allégé par rapport au cycle précédent, mais on n'est pas non plus encore vraiment fermement installé dans le nouveau cycle. Ok? C'est très très beau. Je pense que je parle aussi à des personnes qui ont soit vécu beaucoup en conscience ou soit beaucoup. Enfin, qui me suivent déjà depuis un petit moment, parce que j'explique que depuis octobre, et on voit avec Halloween ici, que depuis octobre, c'était très important. Vous voyez, on le retrouve ici. On a l'oiseau. En fait, toutes vos lois d'attraction, on était très yin, on était très dans le côté féminin. Notre côté masculin, notre vie physique, notre rapport au masculin aussi, notre rapport au père, notre expression de l'homme sur terre qui prend des décisions, qui organise sa vie, qui avance, qui fait bouger les choses dans la matière, était éteinte. Parce qu'on était dans des signes hivernaux, d'accord? Hivernaux.
Et à l'intérieur, par contre, on était en train de renaître depuis octobre, puisque en octobre, on préparait le mois de mars, puisqu'on avait une pleine lune en bélier. Donc au mois d'octobre, on préparait le mois de mars, au mois de novembre, on préparait notre mois d'avril, et ainsi de suite. Okay? À partir de là, on va avoir la récolte. Je parle souvent au niveau numérologique. On est dans une vibration 8 au mois de mars, c'est une récolte, c'est la justice divine qui pèse et on va vous donner selon, on va vous mesurer selon dont vous avez mesuré en quelque sorte. C'est un peu cette phrase biblique qui dit ça. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez quelque chose qui revient vers vous, vous avez envoyé vos messages au divin, vous avez envoyé votre loi d'attraction, donc c'est votre manière de penser, de voir le monde, les pardons effectués. J'aime rappeler qu'un pardon, c'est pas pardonner à la personne, c'est accepter qu'il n'y a plus de pardon, puisque dans l'instant présent, il n'y a plus de trahison, il n'y a plus de problématique. On revient dans l'instant présent, on reconnaît peut-être qu'avec notre mentalité d'hier, notre peur d'hier, on s'est attiré telle chose. Voilà, on ne se préoccupe plus du personnage en question ou de la situation en question, et on se recentre. C'est ça le pardon, en fait, c'est pas pardonner forcément quelqu'un en particulier. Bref, et en fait, vous avez le retour, c'est un peu l'effet boomerang, voilà. Maintenant, de tout ce que vous avez planté comme graine depuis le mois d'octobre. Et j'ai l'impression que vraiment, au mois d'octobre, vous avez fait un rituel symbolique de laisser mourir quelque chose. Alors, soit vraiment vous avez rompu, vous avez quitté un emploi, vous vous êtes détaché de quelqu'un, soit vous avez fait un rituel pour vous éloigner de certaines peurs, vous êtes fait des nouvelles résolutions. Voilà, mais vous avez laissé mourir quelque chose au mois d'octobre. Et vous êtes en train de récolter ça, c'est ce qu'on vous dit. Ok? Sais pas si j'ai été claire, mais. Ok. Avant de rentrer dans le mois de mars, qu'est-ce qu'on peut me dire? Votre énergie là, avant de rentrer dans le mois de mars, pour être sûr que ce tirage vous convienne, vous parle. Ouais, exactement. Magnifique. Je vous sens bien, mes chères balances. Vraiment, hein, je vous sens extrêmement bien. Vous avez le 9 de coupe, vous avez appris à être dans un épanouissement personnel. J'ai vraiment le sentiment que vous avez fait un bilan de votre vie au mois d'octobre. Le mois d'octobre est très important. Regardez ce qui s'est passé au mois d'octobre parce que c'est comme si on vous disait bravo, ce que tu as planté comme graine fin octobre, début novembre. Waouh, bravo. Bravo parce que tu es en train de le récolter. J'ai l'impression, eu un déclic de maintenant je vais m'aimer moi. Maintenant je vais m'épanouir par moi-même. Maintenant je vais trouver la paix, la sérénité, l'amour, la joie à l'intérieur de moi. Voilà. Vous êtes aujourd'hui dans un œuf de coupe. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez au centre de votre vie, vous vous sentez reconnecté à votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir personnel. Il y a des intuitions, vous êtes très intuitif, très guidé en ce moment. Il y a des nouvelles intuitions qui sont arrivées et vous avez vraiment la récolte. 4 de bâton, j'ai la récolte de tout ce que j'ai planté. On nous le redit. Voilà. Vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez. Vous vous réjouissez de votre vie aujourd'hui. J'ai l'impression que vous vous sentez belle ou beau. Vous vous sentez bien dans votre peau. Vous vous êtes reconnecté avec le feu à l'intérieur de vous, la passion, l'enthousiasme, l'optimisme. J'ai le sentiment, je vois le 9 d'épée dans ma tête. Vous avez été longtemps dans un 9 d'épée. C'est-à-dire que vous résistiez au changement parce que vous étiez très accroché à une rancœur, très accroché à une injustice, très accroché à quelque chose de difficile auparavant dans votre vie qui était arrivé. Mais là, vous lâchez et vous êtes dans le côté optimiste de la vie. Vous regardez à nouveau devant vous ou au présent éventuellement. Vous êtes vachement plus au présent avec des idées positives sur l'avenir. Ok? J'ai beaucoup de balances qui ont. Alors, j'ai des balances qui accouchent au mois de mars, c'est possible, ou qui viennent d'accoucher parce que c'est juste avant le mois de mars, c'est possible. Ok? Parce qu'on a le 9 de coupe et 4 de bâton, c'est possible que vous veniez d'accoucher. Ça peut nous parler d'un accouchement d'un point de vue symbolique. Vous venez d'accoucher d'un projet. Mais j'ai l'impression que si c'est au niveau pro, j'ai l'impression que ça faisait un moment que vous étiez dans votre travail, mais que là, vous avez beaucoup d'argent qui rentre, beaucoup de clients, beaucoup de sollicitations, beaucoup de reconnaissance, et vous êtes hyper fier de vous. Hyper comblé et vous vous réjouissez de tout ce que vous avez créé jusque-là. J'ai le sentiment aussi que vous vous êtes détaché, franchement, et pour moi c'est depuis le mois d'octobre, de quelqu'un en particulier. D'accord? Je vais juste voir en amour, du coup, juste en amour, là, avant de rentrer dans le mois de mars pour bien comprendre. Ouais, 3 de coupe, ok, c'est ce que je ressentais en plus.
Vous vous êtes détaché d'un personnage et en vous en détachant. Ben regardez, vous vous êtes détaché, 8 de coupe. Vous avez fait un deuil, vous vous êtes détaché, vous avez fait. Comment on appelle ça? 8 de coupe, c'est vraiment ce moment où on se libère, en fait. On sent qu'on a été lourd d'attente, de ressentiment, lourd de quelque chose. D'accord? Donc on décide de tourner le dos à tout ce qui émotionnellement nous a perturbés. D'accord? Donc en effet, vous vous êtes allégé d'un poids. Qui vous laissait des émotions, alors soit vraiment de la colère, de la rancœur, de la frustration, du ressentiment, soit vraiment un manque, un vide, parce que je suis amoureuse de ou amoureux de lui ou d'elle, elle n'est pas là, je l'attends, je l'espère, mais je suis vide, je cultive ce vide à l'intérieur de moi, enfin j'alimente ce vide, pardon, et non, maintenant je lâche, voilà. Vous avez vraiment lâché, et 6 d'épée, vous avez vraiment lâché quelque chose, vous, hein. Clairement, vous avez allégé votre âme. Vous êtes détaché de quelqu'un, vous avez arrêté d'attendre quelqu'un, vous avez quitté quelqu'un peut-être, mais vous vous êtes libéré. Et de ce fait, vous retrouvez une légèreté, je ressens, dans votre vie. Vous êtes optimiste, vous êtes joyeux, vous voyez le côté beau de la vie, vous vous êtes reconnecté, ouais, avec tout est possible, la vie est belle, vous aimez le chant des oiseaux. Je pense que le soleil, sincèrement, il y a un lien avec le climat ici. Je pense que vous êtes des personnes qui adoraient le soleil, et là, de revoir un peu le soleil, je ne sais pas si vous êtes en France, par exemple, mais ouais, je sais pas, il y a un regain d'énergie qui est revenu, un espoir qui est revenu, une joie de vivre qui est revenue. Donc au niveau amoureux, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que vous attirez beaucoup les regards, vous attirez beaucoup de sollicitations, vous attirez beaucoup de sympathie de la part des gens. Et c'est possible que vous ayez plusieurs opportunités. D'accord? Sinon, vous êtes en train de renouer des liens avec une personne ou de découvrir une personne, mais ça part d'une amitié, de quelque chose de très à l'instant T, à l'instant présent, on se découvre, on rit, voilà, on est léger, on rit, on sympathise si c'est une nouvelle histoire, ou on resympathise, on repart à zéro si c'est une ancienne histoire. Mais vraiment sur le côté amical, sympathique, voilà, fluide. On boit un verre, on mange, on discute, mais on discute de manière souple, légère, sympathique. On ne parle pas de choses sérieuses en fait. Voilà, on veut juste apporter de la lumière, de la joie. Pas trop de prise de tête, c'est ce que je ressens. Ok, mois de mars, comment ça se passe votre mois de mars? J'aime bien votre énergie, les balances. Hein. Votre mois de mars, reine de coupe. Bon, vous êtes reconnecté. On est beaucoup, beaucoup, j'ai déjà fait aussi les taureaux, dans l'énergie du scorpion. Donc, dites-moi si vous êtes astrologue, je suis sûre qu'il se passe un truc avec les scorpions en ce moment. Non? Parce que vraiment, on a tous une énergie de scorpion. Alors, c'est possible. C'est possible que du fait qu'on clôture un cycle, le scorpion, c'est quand même celui qui vient faire des émotions une force. Voilà. On dit que le scorpion, c'est un signe d'eau, mais d'eau bouillante. Il va la transformer, il va faire l'alchimiste avec l'eau et la transformer en quelque chose de solide, comme une force. Voilà, tout ce qui m'a anéanti, tout ce qui m'a perturbé, tout ce qui. Je vais en faire une force. Voilà. Je ressens ça. C'est une énergie d'amour, mais une énergie d'amour. Comment dire? C'est une énergie d'amour, de guérison. Voilà. Ce que je ressens au mois de mars pour vous, c'est que vous allez être dans des énergies d'amour, de sensibilité, d'intuition, de fluidité dans vos échanges. Vous êtes dans le cœur, vous êtes dans le yin, très yin. Très, bon, il y a le poisson, je pense, aussi. On est dans un signe du poisson, là, début mars. Enfin, mois de mars jusqu'à ce qu'on rentre au bélier. Je crois que c'est le 21, si je ne me trompe pas. Donc, c'est peut-être ça, l'idéalisme, voilà, les idéaux du poisson, c'est peut-être ça qui vous reconnecte. Vous êtes un signe très idéaliste. Vous voyez la vie du bon côté. Il y a un truc que j'ai lu sur vous, ça m'a fait rire. Parce que moi, j'ai aussi Mars et Vénus en balance, mais je vous le dis. C'est le pourquoi la balance est souvent en dualité, en contrariété et a du mal à prendre des décisions à un moment donné dans sa vie. Parce que la balance, en fait, elle est née avec elle est persuadée, la conviction que la vie est belle. Voilà. Que tout est beau, que les gens sont beaux, que la vie est belle, que tout est fait de beauté, voilà. Et en fait, cette phrase, elle m'a fait trop rire parce que ça dit, la balance peut se retrouver dans une dualité qu'elle aura du mal à dépasser parce que plus elle va côtoyer des gens et plus elle va s'apercevoir, elle qui a tant cru à la beauté, plus elle va côtoyer des gens et plus elle va être mise face à la laideur. Je me suis dit, ça craint, mais voilà.
Apparemment, c'est ça. Donc, les balances, vous ne devez surtout pas juger selon les apparences. Et continuez à voir le beau dans le laid. Voilà. En gros, c'est ça. Vous nous apportez sur Terre la possibilité de voir les choses belles, même quand les apparences nous disent le contraire. Okay? Et je pense que c'est le poisson qui vous y aide. Parce que le poisson, c'est un idéaliste. C'est un rêveur. Il imagine le meilleur dans sa vie. Et il a des rêves plein la tête. Et vous vous reconnectez à ça grâce au poisson. À ce côté, bon, ok, j'ai vécu des choses pas très jolies, mais je me reconcentre sur, voilà, c'est je ne juge plus selon les apparences, je juge selon ce qui est juste. Et ben moi, Balance, je considère que la vie est belle, voilà. Et je vais rester ferme là-dessus, voilà. Donc c'est ce que je ressens. Votre moi, il est très riche en émotions. J'ai l'impression que vous allez être très nourri par vos relations, par votre travail, par peut-être un côté très artistique, très créatif et très intuitif. Okay. Par contre, vous savez vous protéger maintenant. Vous n'allez pas vous laisser perturber émotionnellement parce qu'on a une reine ici. Elle maîtrise quand même. Elle ne donne pas son affection, son amour, sa joie, ses précieuses qualités émotionnelles à n'importe qui. Voilà. Donc maintenant, vous allez un peu plus sélectionner vos amis ou sélectionner votre temps. J'entends ça peut-être, votre art, votre créativité. Vous allez lui consacrer plus de temps. Comment dire, vous allez donner de l'importance au temps. C'est-à-dire, en faisant le tri dans votre vie, vous allez pouvoir faire que chaque temps, en fait, voilà, vous allez réaliser que le temps est précieux. Il y a un truc avec le temps ici, okay, que je ressens. Je réalise que mon temps est précieux, que je veux que mon temps soit honoré par la beauté que j'y mets, donc mon art, ma créativité, les relations qui me nourrissent, et point. Tout ce qui est de l'ordre de la superficialité, de la victimisation, de tout ce qui me ramène à la laideur, à quelque chose de pas beau. Quand je dis laideur, c'est vraiment les relations décevantes, la victimisation, tout ce qui a trait aux ténèbres, entre guillemets, ou ce qui est sombre. Non, ça, je veux pas. Mon temps est précieux. Il doit être couronné de beauté. Voilà, en gros, je ressens ça. C'est magnifique. Et il y a aussi une notion de guérison. Hein. Je veux juste voir encore ce qu'on peut nous dire sur la reine de Calice pour vous. Il y a peut-être aussi une femme scorpion ou un homme scorpion qui va jouer un rôle très très important dans votre mois de... Waouh! Ah bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est devenu mère ici. Hein. Franchement. Ou qui est enceinte. C'est possible que vous tombiez enceinte, mais vous l'attendiez et vous allez le fêter. Mais soit j'ai un accouchement, soit on tombe enceinte, mais il y a beaucoup de choses en lien avec un bébé ici, le fait de devenir maman, vraiment. Ouais, il y a un scorpion ou une scorpionne qui peut jouer un rôle très très important, voire une cancer ou un poisson. Cancer, poisson, scorpion, en tout cas des signes d'eau vont jouer un rôle important dans votre mois de mars. Vous sortez du monde des illusions, regardez, on a le poisson. En fait, on a le poisson ici, l'énergie du poisson que vous allez exprimer dans votre extériorité, puisque dans le soleil est en poisson, c'est-à-dire que le masculin chez vous, votre moi incarné sur Terre, votre moi social, votre image dans le monde et les actions que vous posez dans le monde sont influencées par l'énergie du poisson. Donc l'idéalisme du poisson. Et là, on a la lune, on a le poisson ici, et on a beaucoup d'eau, donc tout votre moi... J'ai l'impression que vous guérissez quelque chose parce que vous sortez d'un monde illusoire et un monde, j'ai l'impression, sombre. Voilà, vous étiez dans un monde un peu sombre avec vous alimentiez, malgré vous certainement, parce que je revois encore le 9 d'épée dans ma tête. Le 9 d'épée, c'est ce passage dans notre vie où on alimente beaucoup les... En fait, voilà, je vous explique. Peut-être que vous avez été beaucoup dans la psychanalyse. Voilà, vous avez essayé de changer les choses du passé. Voilà. Vous avez essayé de vous psychanalyser, de vous analyser à outrance, de décortiquer ce qui s'est passé. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être été dans une psychothérapie. Et vous réalisez au mois de mars que ce n'est pas bon pour vous. Du moins, que vous êtes déjà très intellectuel, très cérébral, très, voilà, dans le monde des idées, du mental, et que vous devez lâcher ça. C'est en train de vous épuiser, le monde du mental. Alors, soit pour certains, vous allez faire un soin énergétique, pour d'autres, vous allez faire un soin, mais en tout cas, un soin qui va vous aider à travailler au niveau énergétique et émotionnel. Voilà. Il y a cette reconnexion à l'instant présent aussi. On va arrêter de décortiquer les vies antérieures, le passé, l'enfance. Non, à l'instant présent, je vais me reconnecter à qui je suis. Et moi, la balance, qui je suis à l'instant présent, c'est la vie est belle. Et je me reconnecte à cette phrase. Je me reconnecte à cette philosophie. Et je sors du monde sombre dans lequel j'étais, parce qu'à force d'analyser, bah, j'analysais quoi? Ce qui n'allait pas.
Et du coup, j'alimentais ce qui n'allait pas dans mon cerveau, dans ma loi d'attraction. Je lâche ça. Mais j'ai l'impression que ça fait un moment, hein, déjà, parce que je vous rappelle que vous avez lâché beaucoup de choses depuis octobre. Mais là, ça y est, vous sortez officiellement du monde des illusions et vous vous reconnectez à vos rêves, à vos idéaux et à votre joie. Regardez, la lune, elle sourit. Il y a une joie, il y a une beauté, il y a la magie de la vie. Vous vous y reconnectez. J'ai envie de vous... Attendez, j'arrive. Je vais vous donner des petites techniques pour aller bien pour votre mois de mars. En tout cas, ce qui vous sert sur votre développement personnel, ce sera le tarot. Donc, peut-être que vous êtes déjà tarologue, mais le tarot vous ferait du bien. Un travail sur l'eau, donc pour manifester. Donc, travail sur l'eau, moi j'ai fait un rituel, je vous le remets sous cette vidéo. Les mémoires de l'eau, enfin, je vous explique tout dans la vidéo si ça vous intéresse, mais tout ce qui est en rapport avec l'eau. Des bains pour vous purifier avec du gros sel dedans, faire une douche, une visualisation d'une douche spirituelle qui tombe sur vous. Bref, le truc avec l'eau. Boire beaucoup d'eau, très important. Votre nourriture, faites attention à comment vous vous alimentez au mois de mars, d'accord? Toute votre nourriture. Vous savez, j'ai un truc que j'aimerais vous partager. Bon, de toute façon, ma chaîne, on aime ou on n'aime pas. Soit on aime mes blablas, tant mieux, sinon, désolé, mais j'ai beaucoup de choses à dire. La nourriture. Vous savez, moi j'ai un peu du mal avec ce côté, moi ma philosophie, mais je respecte les philosophies de tout le monde, mais ma philosophie de vie, c'est que, vous savez, on a tendance à être dans un étau sur Terre, tout va mal. Enfin, oui, la bouffe, faut faire attention, oui, l'encens, ça peut provoquer le cancer, oui, si, oui, ça, oui, ça, oui, ça. Et moi, ça, j'ai du beaucoup de mal, parce que je ne crois pas qu'on nous ait donné un espace de jeu, parce que la vie sur Terre, c'est un espace de jeu au départ pour expérimenter des choses, pour exprimer la meilleure version de nous-mêmes. Et je ne pense pas qu'on soit qu'au milieu du danger ou des ténèbres ou autre. Donc moi, j'ai du mal avec cette idée de donner autant de pouvoir à notre corps, autant de pouvoir à l'alimentation et si peu de pouvoir à notre âme. En fait, on croit que ah, notre corps il peut être fragilisé, il peut être accidenté, il peut être nanana. Et puis ah, l'alimentation, suivant ce que tu manges, tu vas être malade. Et j'ai un peu du mal. Mais par contre, j'ai fait une longue prière l'autre jour par rapport à tout ça en me disant bon, moi j'aimerais comprendre parce que on entend partout qu'il faut s'alimenter bien. Je veux bien, mais je veux comprendre parce que j'ai l'impression qu'on doit toujours faire des choses. Et à quel moment on est épanoui, heureux, dans le lâcher prise? On peut pas estimer que Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu est bon. Si oui, mais il est bon, mais attention, la nourriture peut te tuer. Attention, ça peut te tuer. Attention, nanana. Moi j'ai du mal. Et on m'a répondu. Enfin, j'ai ressenti le. Voilà, on m'a répondu à ma question. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'est en fait, à la base, l'énergie, tout dans le monde est neutre. L'énergie, elle n'a pas d'information. C'est l'être humain qui met une information dessus, d'accord? Donc, on va mettre une information sur tel produit et après, je respecte. Vous allez peut-être me dire, oui, mais là, tu peux pas dire, là, il y a des pesticides, ça, c'est naturel, nanana. Ok, moi, ce qu'on me disait, c'est que oui, l'homme, l'être humain, a mis tellement de regards négatifs sur, par exemple, les chips, sur, par exemple, tous les produits industriels. On a mis tellement de regards négatifs que bien sûr, maintenant tu vas le manger, c'est pas que ce produit est négatif, c'est qu'il y a tellement d'informations dans cette énergie qui est négative que oui, tu t'encombres d'énergie encore négative, c'est-à-dire tu t'encombres d'informations négatives. Ok, on me disait ça. Donc c'est comme si là, ce que je ressentais de devoir vous dire, c'est de manger déjà en conscience. Voilà, quand vous lavez vu que l'eau a une mémoire et que là, vous allez être hyper influencé par l'eau au mois de mars. Par exemple, quand vous lavez votre salade, si vous lavez votre salade en pensant ouais, il m'a trahi, c'est un salaud, et puis les mecs, c'est tous des salauds, vous donnez cette information dans l'eau qui est en train de nourrir votre salade. Quand vous mangez votre salade, vous avez cette information-là. Donc, faites déjà manger en conscience. Quand vous préparez à manger, soyez dans l'amour quand vous préparez à manger. Soyez dans vos énergies, soyez centré, n'allumez pas la télé, ne soyez pas perturbé, soyez dans votre centre. Faites un travail sur la respiration avant. Et toute votre alimentation, essayez de l'alléger un maximum au mois de mars pour qu'il y ait un minimum d'informations qui rentrent en vous, pour que vous ayez un maximum d'inspiration, d'idées, d'informations qui vous pénètrent du divin. Vous voyez, faut faire la place aux inspirations divines. En fait, le divin, c'est à l'intérieur de vous qu'il vous parle. Mais plus il est encombré d'idées, d'informations, de lourdeur énergétique, et moins il arrive à s'exprimer. Donc peut-être faites une détox. Surtout, c'est recommandé une détox le premier jour, la veille de la pleine lune, le jour de la pleine lune et le lendemain de la pleine lune. Donc si vous y arrivez, faites-le. Ça peut être hyper important. Je pense que cette vidéo, ouais.
Donc voilà, en tout cas quelques jours après la pleine lune, au moment de la lune descendante, c'est hyper important pour vous d'éliminer certaines choses au niveau alimentaire, de vous nourrir correctement et sur tous les plans, hein. Pas forcément la nourriture comme on l'entend, mais aussi tout ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Soyez dans votre amour, dans votre philosophie de la beauté, ok? Concentrez-vous, concentrez votre regard sur ce qui est beau, voilà, un maximum. On vous parle de l'enfance, donc votre relation à la mère, on voit vraiment ça, hein. Il y a la relation à la mère, pardonner un maximum, essayer de le pouvoir du pardon radical est un super livre pour pardonner, d'accord, à la mère, enfin à la mère, à tout le monde, mais le pardon, ça, ouais, décrocher quelque chose, couper le cordon avec la maman, je sais pas, il y a quelque chose avec la maman à faire, les rêves éveillés. Franchement, les rêves éveillés, allez vous renseigner, parce que sinon ça va être trop long si je vous explique tout, mais les rêves éveillés, hyper intéressant, respirer dans ses organes, voilà, des rêves éveillés. Peut-être juste de la visualisation créatrice, voyez votre corps beau, voyez la vie belle, voyez vos relations belles, mettez de la beauté dans votre visualisation créatrice, écoutez de la musique qui soit belle pour vous, qui vous enrichit, ça va vous faire beaucoup de bien, et voilà, voilà, ce qui pourrait vous aider, mes chouchous, ok? Alors, on va voir où est-ce que vous en êtes au niveau professionnel. Donc, au mois de mars, votre pro, comment il évolue au mois de mars? Qu'est-ce qui se passe pour les balances au mois de mars? J'ai poisson beaucoup dans ma tête. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans les énergies du poisson? Sinon, si vous avez un poisson dans vos énergies, c'est avec cette personne que vous faites le deuil ou que vous... Alors, vous faites le deuil officiellement, cette histoire, vous faites le deuil avec une histoire, avec un poisson, voilà. Ou une histoire qui s'est terminée peut-être dans une énergie de poisson, voilà. Et là, vous êtes en train de boucler la boucle parce que justement, ça se passe maintenant. Les énergies du poisson, c'est fin février et jusqu'au 20 mars. Peut-être que vous avez eu une rupture, quelque chose de très difficile dans cette période-là. Voilà, pas forcément sentimental, peut-être professionnel, peut-être un échec, peut-être une trahison, peut-être un accident, peut-être un deuil, je ne sais pas. Dans la période du poisson, vous êtes en train de boucler la boucle. Vous faites le deuil enfin. Pour d'autres, c'est en relation avec un poisson, d'accord? Et pour d'autres encore, c'est un rêve qui s'est éteint. Un rêve qui ne s'est soit pas réalisé dans cette période du poisson, dans une autre époque, dans une autre année, ou soit un rêve qui s'est achevé, qui s'est fini dans une énergie de poisson, d'accord? En tout cas, en lien avec le poisson, on vous dit que vous faites le deuil, voilà. Vous êtes en train de lâcher tout ce qui émotionnellement vous a perturbé, vous a rendu mal, d'accord? Pour d'autres, vous lâchez des rancœurs, peut-être. C'est possible, on ira voir dans l'amour, et c'est possible qu'avec un poisson, vous repreniez l'histoire, mais en tout cas, vous lâchez les rancœurs. On ira voir de toute façon dans l'amour, mais il fallait que je vous passe ce message. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? J'ai une carte. Pour mes chers balances. Les balances au niveau pro. Bon, roi de pentacle, on est bien. On est très bien. J'ai des personnes ici, balances, qui sont dans vraiment l'abondance. Alors l'abondance, certains c'est financier, mais c'est ce que vous êtes dans l'abondance de ce que vous avez souhaité, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, vous vouliez de l'argent, vous aviez besoin d'argent, vous aviez envie d'avoir de l'argent, vous aviez envie d'avoir des économies, vous aviez envie d'avoir de belles acquisitions, vous l'avez, ok, au mois de mars. Pour d'autres, c'est la simplicité, parce que le roi de pentacle, on parle d'abondance, mais l'abondance, tout dépend, peut-être que vous recherchiez des relations harmonieuses. Et c'est ça l'abondance pour vous. En tout cas, vous êtes dans l'abondance de quelque chose que vous avez recherché. Un travail dont les relations sont harmonieuses, quelque chose qui vous nourrit. Mais vous voyez, là, j'ai vraiment le côté de la nature. Donc, j'ai des personnes, peut-être, balance ici, qui ont privilégié la santé. Vous voyez, faire un travail qui m'apporte de la santé. Je gagne un peu moins d'argent, mais je suis riche de... Parce que je suis en campagne, parce que je me suis éloignée de la ville, parce que je me suis éloignée de l'accélération du monde de la compétition. Je traie des vaches, je cultive mon potager, je fais quelque chose de très dans la nature et ça, c'est mon abondance. En tout cas, je vous sens dans une paisibilité. Je sens que vous avez atteint un objectif et vous en êtes fier. Je sens que vous avez été pour ce faire énormément minutieux, énormément patient, énormément rigoureux pour y arriver et je sens qu'aujourd'hui, vous prenez du plaisir. Voilà, vous prenez du plaisir dans votre pro. Ouais, as de coupe. Vous lâchez. Il y a eu une période, alors soit parce que le temps de réaliser cet objectif, parce que j'ai l'impression que vous êtes en place, mais le temps d'y arriver, peut-être que ça a été dur, ça vous a demandé du sacrifice, il y a eu des moments très tristes,
c'est possible, et vous lâchez cette énergie, parce qu'ici, ce tasse de calice, il ne me fait pas penser à un as de coupe traditionnel où on rentre dans une nouvelle ère au niveau émotionnel, où c'est nourrissant, où c'est beau. Non, il est très sombre. Moi, je ressens la coupe est pleine. On était plein, en fait. Donc, pour certains, ça a été triste, ça a été lourd, ça vous a demandé, vous avez passé des périodes nuageuses, orageuses dans votre pro, c'est possible. Et pour d'autres, j'ai ressenti que ça n'avait rien à voir avec le pro, cette coupe est pleine, mais il vous fallait vous stabiliser, être épanoui, être accompli d'un point de vue pro pour ensuite enfin se donner la chance de libérer quelque chose d'un point de vue émotionnel, une tristesse, faire enfin un deuil. Voilà, la coupe était pleine, voilà. Ça vous a aussi peut-être sauvé, parce que la coupe est pleine, ça veut dire que vous étiez pleine de ressentiments, de tristesse, de mal-être intérieur, ça vous a sauvé de vous concentrer sur le pro. Et maintenant, vous allez pouvoir enfin purifier le côté émotionnel, enfin le côté, les émotions négatives, les émotions drainantes, fatigantes, voilà, bloquante. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a aussi un personnage peut-être dans votre pro qui est peut-être signe de terre, taureau, capricorne, vierge, qui va jouer un rôle important dans votre pro. Alors, ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui va vous stimuler, vous donner des bons tuyaux. Je vais juste voir si c'est un personnage, l'influence que cette personne a sur vous. Si c'est un personnage. Ah! Vous voyez, c'est marrant parce que... C'est marrant. C'est marrant parce que... Vous voyez l'as de coupe que je voyais, je vous disais comme la coupe est pleine. Et là, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand en fait, on a eu tellement de déceptions, on a eu tellement de tristesse qu'on a... En fait, l'émotionnel, on l'a mis de côté. On s'est concentré sur un autre domaine de notre vie et l'amour, on l'a mis de côté, en fait. Et vous, vous êtes le signe de l'amour avec les taureaux. Ah, c'est peut-être un taureau hein, que vous rencontrez ou une taureau. C'est possible. Mais vous êtes le signe de l'amour. Donc, on a besoin de vous sur Terre, les balances, pour exprimer l'amour, en fait. Parce que vous êtes les plus à même d'exprimer l'amour sur Terre. Donc, je pense que par des déceptions hautes, vous avez mis de côté. Mais vous êtes rentré dans une sorte de... Vous savez, le 4 de coupe, c'est qu'on stabilise nos émotions. Mais on ne peut pas stabiliser de l'eau. On ne peut pas stabiliser quelque chose qui est fluide, quelque chose qui est mouvement, en fait. Donc, c'est contre-productif et c'est contre, ça va à l'encontre de notre nature en fait. Et il y a un ennui qui est arrivé ou du moins un vide affectif qui s'était installé chez vous, d'accord? Regardez, cette personne, j'ai demandé si vous rencontrez un taureau, j'ai beaucoup le taureau, d'accord? Mais ça peut être aussi capricorne, j'ai le bélier aussi ici. Enfin, c'est une vache, mais j'ai vu un bélier. Mais j'ai senti le bélier. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est buffle. On rentre dans une année du buffle et ça peut être quelqu'un de buffle. Alors, je sais que c'est 1985, la date de naissance, une des dates de naissance. Ça dépend de votre date de naissance, les signes du zodiaque chinois, ok, les signes astro chinois, enfin les signes chinois, quoi. Je sais que 1985, mais peut-être regardez les autres années. C'est possible que ce soit un buffle en signe chinois, un bélier, un taureau, beaucoup taureau bélier, et buffle, ok? Sinon, vierge ou capricorne. Mais beaucoup plus les autres. Quelqu'un, en tout cas, comme ça, dans votre carrière, l'influence, c'est qu'il va vous sortir de cette énergie-là et vous montrer que l'amour, en fait, il va vous montrer que l'amour, vous pouvez en faire une force, telle la reine de bâton, en fait. Il y a comme une... En fait, vous aviez plus le sentiment d'avoir ou le droit ou la capacité de briller, les balances. C'est ce que je ressens. Je ressens des balances qui étaient des femmes très, très belles, très... je dis pas que vous n'êtes pas belles, hein, mais quand je dis très belles, c'est vous le saviez. Voilà, vous aviez une... Parce que de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait des gens beaux ou moches. Il y a juste des gens qui ignorent leur beauté. Et comme on l'ignore, on ne la voit plus et les autres non plus ne la voient plus. Okay, c'est comme si vous étiez sur la... Ouais, vous étiez sur un piédestal avant. Vous étiez quelqu'un de qu'on voyait. Et là, on parle au niveau du pro. Vous étiez dans la réussite, vous étiez populaire, vous aviez de la notoriété, vous aviez de la visibilité, en fait. Et vous étiez belle, vous étiez rayonnante. Mais à un moment donné, vous avez bloqué au niveau émotionnel. Et vous avez perdu ce charme de la balance parce que vous avez perdu cette foi en la beauté sur Terre. Et en votre propre beauté même. Il y a un truc comme ça, ok? Cette personne va vous ramener à exprimer la reine de bâton. Vous allez sortir de l'ombre. Alors peut-être que vous faisiez un pro...
où vous étiez caché d'une manière ou d'une autre. Vous ne vouliez pas trop être visible, vous ne vouliez pas trop rentrer sur scène, venir sur scène, exprimer, vous montrer. Ou même vous ne parliez pas de votre réussite. Mais là, vous allez commencer à vous faire voir et à vous montrer. Voilà. Cette personne va vous influencer dans ce sens. Et comment elle va vous y aider? Elle va vous aider à sortir, à incarner une énergie de lion. Je prends ma place, je brille, je rayonne et mon amour est ma force. L'amour, c'est ma force. Voilà, c'est ce que vous allez vous dire et ce que cette personne va vous permettre de dire. Et elle va vous faire sortir d'une énergie de ou vierge ou verso. Donc, vierge, c'est l'autocritique, c'est dans sa version négative. Hein. L'autocritique, s'auto-flageller, les complexes, le moindre petit détail, on en fait une montagne. Et le côté négatif du Verseau, c'est ce côté rancœur, ce côté je lâche pas l'affaire. Voilà, elle va vous permettre de couper certaines mauvaises herbes, en fait, dans votre mentalité, dans vos croyances, ok? Et d'être dans le corps, dans la passion, de faire rayonner votre amour et de rayonner vous-même. Donc, vous gagnez en popularité, vous gagnez en notoriété, vous gagnez en visibilité et j'ai l'impression que c'est grâce à un homme de signe de terre, un homme, je vois. Hein. Mais ça peut être une femme, mais beaucoup plus un homme. En tout cas, une femme qui a une énergie masculine, sinon. Buffle, taureau, buffle chinois, taureau ou... Bélier. Mais ça peut être aussi Vierge et Capricorne. Ok, qu'est-ce qui se passe dans votre pro? Qu'est-ce qui se passe dans votre pro? Je vais voir avec ça. Au mois de mars pour les balances. J'ai l'impression que votre mois, il va être fluide, il va être simple à vivre. Il va couler de source. C'est ce que je ressens parce que même mon tirage, il est comme ça. Bon, dites oui. Il y a une proposition qui vous est faite au niveau pro. Ouais. Vous allez vous reconnecter aux autres. J'ai l'impression que vous étiez coupé du monde. Franchement, hein, les balances. D'une manière ou d'une autre, les relations. Vous êtes coupé du relationnel. Ça me fait penser à cette phrase que j'ai vue. La dualité de la balance, c'est qu'en fait, vous êtes le signe de la relation à l'autre. Vous êtes le signe de l'amour dans les relations, de la compassion, de se mettre à la place de l'autre, d'être tolérant, d'apporter de la paix, de l'harmonie dans les relations. Et vous êtes faite pour la beauté. Et je pense que vous avez vu la laideur dans les relations. Vous vous êtes connecté à votre opposé, c'est-à-dire plus voir la vie belle, mais la voir moche. Voilà, il y a un truc comme ça. Vous avez été très déçu dans vos relations et vous avez été très blessé au niveau amoureux. Donc, vous avez enlevé l'amour de votre vie, vous avez enlevé les relations de votre vie et vous avez enlevé la beauté de votre vie. Mais vous étiez plus que l'ombre de vous-même, la lune. C'est ce que je ressens. Et vous vous reconnectez à vous. Vous dites oui aux relations, vous dites oui aux opportunités professionnelles, vous dites oui à l'autre, vous dites oui aux opportunités, aux occasions qui se présentent et vous vous retournez vers les autres. Et vous faites à nouveau confiance. Vous voyez, j'aime bien parce qu'ici, on nous dit « tournez-vous vers les autres, mais comment ?» D'une vraie manière, d'une manière authentique. Il n'y a pas plus authentique qu'un enfant qui s'abandonne entièrement dans les bras de son papa. Si mon papa ne me nourrit pas, moi, je meurs. Si mon papa ne me change pas, bah, je passe ma vie dans mes couches. Enfin, j'ai besoin de lui. Je ne peux que lui faire une confiance aveugle. Je suis complètement dépendante de mon papa. Donc, c'est une confiance de dingue. Et bien, c'est ça. Vous allez retrouver cette confiance. Vous êtes optimiste et vous êtes surtout, vous avez la foi en l'autre. Vous allez retrouver ça. À la base, vous avez la foi en l'autre. Au niveau pro, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Ok, elles ont bien sauté ces cartes. Hein. Soyez créatifs et décorés. Bon, bah, magnifique. Hein. Magnifique. Et je vois dans votre pro beaucoup, beaucoup de paillettes. Soit vous brillez, soit votre produit est vu, est admiré. Il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de réussites, il y a beaucoup de victoires, il y a beaucoup de ventes si vous êtes à votre compte. Il y a beaucoup de reconnaissance de la part de votre patron. Il y a quelque chose de créatif qui revient, il y a quelque chose qui de l'ordre de la... Alors peut-être que vous allez dans la musique, dans la décoration d'intérieur, il y a quelque chose qui vous ressemble en fait. Qui vous ressemble, les balances, vous êtes fait pour mettre de la beauté, de la créativité, pour décorer, pour faire briller. J'ai des personnes qui vont faire du maquillage, de l'esthétique, de la coiffure, de la chanson, de la musique,
décorer un intérieur, architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur, styliste. Il y a un truc comme ça qui revient, la beauté. Vous allez mettre de la beauté dans ce que vous faites, peut-être aussi. Voilà, plus de beauté dans ce que vous faites. Magnifique. Votre pro est magique. On va voir l'amour maintenant. Je vais voir le petit conseil qu'on vous donne au niveau. Ok. Petit conseil qu'on donne au niveau pro pour les balances. Au niveau pro, le conseil. J'ai. Restez timide dedans. Offrez-vous des voyages intérieurs. Vous savez ce que c'est? C'est l'étoile. L'étoile, c'est vous. Alors, ça ne vous représente pas forcément. On dit que l'étoile, ça peut être le taureau, ça peut être le verseau, mais c'est tellement vous dans son côté. Vous êtes la star. Vous allez être la star, sincèrement. En tout cas, on vous recommande d'être la star. Et on vous recommande d'être authentique. Et pour l'être, il va falloir vous offrir des voyages intérieurs. On vous dit, chaque voyage intérieur est une rencontre intime avec votre être. Donc, vous reconnectez à la foi en l'autre, vous reconnectez à la beauté et vous reconnectez à c'était quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, beauté, relation à l'autre et amour, d'accord? Vous vous reconnectez à ça et ensuite vous allez être propulsé vers l'extérieur avec plus d'assurance et de sérénité parce que vous allez être vous-même les balances. Vous pouvez pas. En fait, je pense que là, vous aviez perdu, vous étiez dans une sorte de timidité, de réserve, de discrétion parce que vous n'étiez pas vous. Vous avez incarné un personnage qui se protège de l'autre alors que vous êtes ouvert à l'autre, vous aimez l'autre. Vous avez incarné un personnage qui était un peu centré sur, un peu dans l'analyse. J'analyse les choses, je décortique, je me concentre sur les défauts à corriger. Non, vous êtes censé vous arrêter, porter votre regard sur ce qui est beau. Et voyez, on a chacun en nous la capacité de guérir. Votre capacité à vous de guérir, c'est surtout pas de regarder ce qui doit être. Enlever et retirer et nettoyer, mais vous concentrez sur ce qui doit être alimenté. Donc concentrez-vous sur le beau. Ok? La Vierge, par contre, se concentre. Peut-être que vous avez une lune en Vierge, peut-être que vous avez un signe Vierge et que vous regardez pour votre ascendant Balance, ou il y a de la Vierge chez vous peut-être, mais il faut enlever ce que regarde. La Vierge ne va pas vous aider au mois de l'énergie de la Vierge. Elle nous aide de temps en temps, mais pas là. Ok, oh, on a une pleine lune en Vierge, c'est peut-être pour ça. La pleine lune, la lune, elle nous met le doigt sur ce qui ne va pas. Ok, pardon, la Vierge, elle nous met le doigt sur ce qui ne va pas et ce qui doit être changé. Vous, maintenant, ça vous l'avez déjà fait. Et maintenant, vous devez absolument alimenter ce qui va et vous concentrer sur ce qui va. Et c'est ça votre force en fait. Ok? Vous devez cultiver la présence à soi et tout ira mieux. Si vous êtes vous-même, si vous êtes avec vous-même, si vous êtes authentique, tout va aller bien dans votre pro. Franchement, c'est ce qu'on vous dit. Et laissez, ça coule de source, c'est ce que je ressens. L'étoile, elle fait couler son eau, ça coule de source avec l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu dans votre pro. Hein. C'est un truc de fou. Et vous allez briller. Vous allez être la star, je ressens un truc comme ça. Donc, je détaillerai ça dans le. Ouais, je vais reprendre tout ça. Je vais détailler ça dans l'extension un peu plus. Dans l'extension, je vais regarder le pro et le sentimental, d'accord? Et là, je vais regarder le sentimental. Ok, alors. Je vais prendre le romantique tarot pour ce faire. Donc, c'est. L'Oscarabeo, l'édition, je crois. Ouais, l'Oscarabeo, et c'est Emanuela Signorini, pour ceux qui me demandent. J'aime bien ce tarot. Ok, alors. Mes chères balances, votre énergie à vous au niveau sentimental. Votre énergie à vous au niveau sentimental au mois de mars. Ok, on dit qu'il y a beaucoup, il y a des gens ici qui regardent pour. Qui sont balance, mais qui sont avec un balance ou une balance. Donc, ok, je vais faire les célibataires d'abord. Les célibataires balance, énergie. Énergie des. Ouh,
mais on adore, mais c'est un truc de fou. Ah non, mais j'adore. Les balances célibataires, vous êtes en train de rayonner, de dégager. Et bah, vous savez quoi, ça me fait penser aux féminines dans le tirage masculin sacré, féminin sacré que j'ai fait. La féminine, elle dégage de la lumière. Et j'ai dit, la féminine avait dégagé récemment plus de beauté, plus de sex appeal, plus... Elle était magnétique, enfin pas magnétique, ouais, magnétique peut-être, mais un côté... ouais, elle était... Elle avait quelque chose, quoi, en fait. Là, c'est encore autre chose. Ça dépasse l'entendement. Vous dégagez, j'ai l'impression, de la lumière, de la sérénité, de la joie, de la paix. Vous dégagez la confiance, les gens. Vous attirez les gens à vous. Et j'entends le miel et les abeilles. Vraiment le miel et les abeilles. Vous êtes le miel et tout le monde vient butiner parce que c'est... Vous êtes un miel, mais c'est un truc de fou. Le pape, vous avez, je pense, vous savez quoi ? Vous avez accordé des pardons. Vous êtes à nouveau dans votre voie, votre chemin de vie. En tout cas, vous êtes en train d'y retourner. Vous êtes vous-même enfin. Et vous vous sentez légitime. Légitime pour être belle, légitime d'attirer les gens, légitime à être heureuse. Peut-être que vous êtes interdit le bonheur jusqu'à maintenant. Vous rayonnez. Vous êtes un rayon de soleil. Vous avez beaucoup de charme, beaucoup de beauté, beaucoup de... une belle énergie. Mais vraiment une énergie qui... C'est extrasensoriel, votre beauté, là. Et vous êtes certainement très beau et très belle, mais c'est encore plus que ça. C'est extrasensoriel. C'est une beauté qui dépasse l'entendement, quoi. C'est waouh. Un truc de fou. Vous rayonnez, en fait. Vous êtes très souriant. Vous êtes très dans le bonheur. Vous vous sentez bien. Ok. Bon. Roue de fortune, pourquoi elle est tombée à l'envers? Moi, j'ai l'impression que vous avez décroché avec une personne. Hein. Ok. Alors, pour certains... Ouais, on retrouve le 3 de coupe. Ok, pour certains... on adore. Il y a une triangulaire qui se finit ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'ici, regardez, c'est des gens qui se voient en cachette. Et on voit une petite fille derrière qui observe. Donc, soit vous avez été vu, ok. Et 9 de bâton, ouais, c'est on doit se cacher, telle l'ermite, on doit rester caché. Une histoire qui était cachée, soit elle n'était pas officialisée parce que on a des religions différentes, parce que il y a une triangulaire, parce que la triangulaire, c'est pas forcément que quelqu'un est engagé. C'est peut-être la triangulaire, c'est parce qu'il y a une énergie tierce qui vient. Faire en sorte que ce lien ne peut pas exister. Et ça peut être qu'on a des religions différentes, on a un âge différent, on a une culture différente, on a une langue différente, on a... Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on a un ennemi en commun. Enfin, on a... ma meilleure amie, t'es l'ennemi de ma meilleure amie ou t'es l'ex de mon frère. Je sais pas, moi. Je dis des bêtises, mais... Il y a un truc qui fait que... On sort de là. Quelque chose qui n'arrivait pas à aboutir. Parce que, voyez, là, c'est des personnes qui se retrouvent, d'accord ? Enfin, quelque chose qui n'arrivait pas à aboutir à l'époque. Alors, vous êtes en bonheur parce que enfin, il y a une histoire qui s'officialise. Ok ? Donc, vous êtes célibataire parce que c'était pas officiel. Il y a quelque chose qui va enfin s'officialiser. Je ressens ça. Mais une histoire cachée ou triangulaire, ouais, une histoire superficielle qui, pour certains, pour beaucoup, il y a quelque chose qui s'officialise enfin. Et pour d'autres, vous lâchez avec une histoire qui était superficielle. Et pour moi, je vais voir si on me confirme. Qu'est-ce que ça exprime? Enfin, qu'est-ce que ça... Je me comprends. Exactement. Exactement. Roi d'épée. Il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Ok. Pour les célibataires, j'ai des personnes qui étaient l'amant, la maîtresse, ou dans une histoire secrète, d'accord, superficielle, secrète, on ne lui donnait pas de vie à cette histoire, elle s'officialise enfin. On est dans le grand bonheur parce qu'elle s'officialise enfin au mois de mars. Pour d'autres, mais c'est vous, vous êtes détaché, et ça me rejoint encore le masculin sacré, féminin sacré, je vous le dis honnêtement, vous êtes détaché de quelqu'un qui ne vous donnait pas toute la place, qui vous voyait en cachette, en fait, vous deviez tout le temps prendre sur vous, vous deviez tout le temps résister, vous deviez tout le temps... En fait, cette personne vous a mis dans le doute, vous a mis dans le côté « je me pose plein de questions, je suis dans ma tête, je réfléchis, je me doute de moi ». Voilà, parce que cette personne ne vous donnait pas de l'attention, pas assez, ne vous donnait pas la juste place, ne vous donnait pas votre place... Et vous avez lâché avec cette personne. Et vous avez découvert que finalement, waouh, vous méritez... C'est comme si vous avez enlevé vos œillères.
Voilà, vous méritez tellement mieux que ça. Il y a tellement d'autres hommes ou d'autres femmes qui vous donneraient toute la place. Et ça, ça vous apaise parce que cette personne vous mettait dans le roi d'épée. Regardez, le roi d'épée qui est devenu un militaire. Vous savez, quand c'est très féminin d'ailleurs, enfin, moi, parce que je suis une femme, je connais plus ça en tant que femme, mais vous savez, nous les femmes, quand on n'a pas confiance en l'autre, ou quand l'autre ne nous donne pas beaucoup de place, ou que l'autre ne nous donne pas assez d'attention, on aurait tendance à devenir un peu aigrie, quoi, un peu chiante, un peu... on devient un militaire, on devient très exigeante, et ça ne nous ressemble pas, en tout cas les balances, ça ne vous ressemble pas. Vous, vous êtes quelqu'un de souple dans le relationnel, dans la spontanéité, dans la joie, dans... Encore une fois, tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Cette personne, elle vous mettait dans le roi d'épée, qui est bam, 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 carré, faut que ça aille dans mon sens. Et vous étiez devenu... Vous savez, cette personne vous mettait en mode, vous êtes chiante, vous êtes agaçante, vous êtes exigeante, vous êtes... C'est fini. Moi, je suis un grand soleil et je me rends compte que j'étais devenue comme ça à cause de ce que tu me faisais vivre. Je me détache, donc il y a ça. Parce que cette personne, il y a le diable ici, voyez, vous voyez. Je pense que c'était une relation très sexuelle, très charnelle, mais pas officielle. Et vous avez l'impression que cette personne, elle vous a pas respecté. Voyez, la balance, cette énergie de balance. Regardez la différence entre cette femme. Les deux femmes sont très belles. Franchement, faut le dire, c'est des femmes élégantes, c'est des femmes sexy, c'est des femmes qui sont belles. Sauf que ici, c'est une femme avec qui on joue, c'est un jouet et elle est enchaînée. Elle est enchaînée parce que là, faut pas m'appeler ou j'évite de l'appeler parce que lui, il veut pas se prendre la tête, parce qu'il veut qu'on se voit que pour les bons moments, parce qu'il est pas prêt. Et donc, je suis enchaînée, ok? Là, non, c'est donnant, donnant. C'est donnant, donnant. Donc, c'est la même femme, sauf que cette femme-là, elle est respectée. Voilà. Et donc là, vous allez être à nouveau respecté parce que vous vous détachez de ce personnage. Et ça peut être un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Ok, qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous les célibataires au mois de mars? Qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires au mois de mars? Hein, le fondateur! Vous allez perdre la tête par amour. Vous savez, c'est vraiment ce moment où on est au septième ciel ici. Regardez, on perd la tête. Il a même carrément le bouquet de fleurs sur la tête, quoi. Il vole en l'air. Ce côté où, en fait, vous allez... Je pense que vous allez beaucoup... Mais tant mieux, ça vous rend très créatif. Parce que j'allais vous dire, des fois, de perdre la tête en amour, ben, en fait, après, on perd un peu pied par rapport aux autres domaines de vie. Mais non, c'est bien. Ça développe en vous le côté créatif, le côté spontané dans votre travail. D'accord ? Mais pour ceux qui sont dans un travail qui vous demande énormément d'être terre à terre, d'être rigoureux, d'être consciencieux, d'être concentré, d'être investi, mais vraiment avec votre tête, et ça risque d'être un peu perturbant. Mais c'est un mal pour un bien, ça va vous apporter à mettre des touches créatives spontanées dans votre pro. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, vous perdez la tête par amour, il y a quelque chose qui vous fait monter au septième ciel, il y a quelque chose qui vous êtes... Vous êtes amoureux tel un gamin, en fait, tel une gamine. Par contre, je ressens, il n'y a pas de projet. Alors, on va voir, hein, ça peut aller vers des projets, mais vous n'êtes pas dans une énergie, dans cette histoire, de projet. Ça coule de source, c'est évident. Il y a plein de communications ici, plein de communications, mais c'est des oiseaux qui sont blancs, donc des communications qui sont pures, qui sont authentiques, qui sont sans filtre. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit. Donc, au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe pour mes chères balances? Vous plaisez les balances, un truc de fou. Hein. Ouais, vous plaisez un truc de fou. Mais vous plaisez à plusieurs personnes, les balances. Ok, le chariot. Bon, moi, j'ai l'impression que vous plaisez à plusieurs personnes. Vous papillonnez peut-être ou vous vous laissez séduire au mois de mars. Mais vous savez quoi? C'est trop marrant. Il y a quelqu'un, peut-être à distance, qui avait résisté. Regardez comme cette personne, elle résiste. À la tentation. Vous étiez une tentation pour cette personne. En tout cas, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face, mais j'ai quelqu'un qui résistait à la tentation. Quelqu'un qui essayait de... mettre son énergie un maximum ailleurs pour pas
pour pas se laisser aller en fait dans cette histoire, parce qu'elle a l'impression de perdre le contrôle avec vous, ou c'est vous qui aviez l'impression de perdre le contrôle avec l'autre. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'on on a tellement perdre le contrôle que bon, on préfère aller ailleurs où c'est plus facile, où c'est plus. Voilà, parce que là, fou, je me mets en danger tellement c'est fort. Et bien, cette personne qui est peut-être à distance, en tout cas, cette personne, elle vous choisit. Il y a une personne, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face, mais il y a une personne qui choisit l'autre après avoir beaucoup résisté, après avoir essayé de poser son attention ailleurs, et ses intentions certainement ailleurs, mais que c'est une évidence, ça devient une évidence, et qui ose donner vie à cette histoire. Il y a quelque chose qui s'officialise, franchement, dans votre vie, les balances. Il y a aussi une autre histoire, c'est que vous plaisez beaucoup, vous avez beaucoup de messages qui viennent vers vous, vous perdez un peu la tête tellement vous plaisez, et ça va vous permettre de. Je vais juste voir ce que je ressens là, ce qu'on me dit. Exactement. Non, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je pensais. Ça va vous permettre, 6 d'épée, je me détache, je quitte une histoire. Parce que regardez, vous êtes au milieu sur cette chaise, magnifique, rayonnante, et il y a plein d'hommes. Il y en a un qui veut vous protéger, il y en a un qui veut vous séduire, vous courtiser, et il y en a un qui veut vous aimer. Voilà, en fait, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des personnes autour de vous. Vous avez le choix, vous rayonnez, mais c'est un truc de fou. Et je pense que ça vous permet de vous détacher d'une personne et que ça fait en sorte que cette personne vienne vous demander pardon. Voilà. Mais vous allez résister parce que vous voulez vraiment que cette personne, elle vous prouve des choses, maintenant qu'elle se batte pour vous. Il y a plusieurs histoires, mais en tout cas, la chose est sûre pour vous, les balances célibataires, c'est que vous plaisez à beaucoup de personnes et que ça fait réagir. Si vous aviez une personne en particulier spéciale pour vous, ça la fait réagir, ça la fait vous demander pardon et vous voulez que cette personne se comporte tel un guerrier ou une guerrière pour vous, qu'elle vous prouve qu'elle se battrait pour vous. Voilà, qu'elle fasse des efforts, qu'elle pose des actes et que ces actes soient constants, qu'ils aillent dans un avenir à deux. Voilà. Mais vous papillonnez du moins, alors soit vous papillonnez, oui, soit vous profitez de plaire autant et vous ne vous prenez pas la tête. Le conseil qu'on vous donne à vous, après je passe à vous et votre autre, ça va faire une vidéo super longue. Vous et votre autre, non, pardon. Conseil pour les célibataires balance. Le conseil pour les célibataires balance. Le con, non, qui tombe. Le conseil pour les célibataires balance. Laissez les bons vents vous porter. Ben carrément, vous êtes dans l'amour. Regardez, c'est le chiffre de l'amour. C'est le chiffre de la spontanéité. C'est le chiffre de l'enfant intérieur qui rayonne, qui s'épanouit. C'est carrément le fou ici. Genre la vie, elle est belle. Tululu. Laissez les bons vents vous porter. Tout simplement. Franchement, si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement avant de poursuivre votre trajet. Attendez que les vents vous soient favorables avant de redécoller. S'il y a une histoire qui doit redécoller, laissez les choses se faire. En attendant, laissez les bons vents vous porter. Vous êtes séduit, vous êtes invité, vous êtes sollicité. Laissez les bons vents vous porter. Vous êtes en train de reprendre votre envol. D'accord ? Et si vous avez personne de spécial dans vos énergies, parmi ces personnes-là, ne vous projetez pas, vivez tel le fou qui rayonne, qui s'éclate, qui en perd la boule même, tellement, voilà, c'est cool. Rayonnez de votre plein soleil comme vous êtes, soyez optimiste, soyez joyeux, soyez beau, rayonnez de beauté. Et petit à petit, les vents vont vous porter vers, ah, c'est cette personne avec qui j'ai envie de faire quelque chose. Mais pas au mois de mars. Au mois de mars, on se laisse vivre. Un peu comme le poisson. Le poisson, hein, n'oubliez pas, on est dans le poisson, il se laisse porter par les vagues. Ouh. Voilà, c'est ça, clairement, c'est magnifique. Mais je pense que vous avez quelqu'un de spécial, vous, hein, dans votre énergie. Je vous le dis, je le ressens. Alors, on ira voir dans l'extension un peu plus loin. Ok. Et puis, je vais voir vous et votre autre. Donc, je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, je vais prendre Illuminati. Ok, alors. Je vais mettre deux personnes. Une personne ici, caractère au mois de mars. Au mois de mars, le caractère d'une personne. Au mois de mars, caractère de l'autre. Je pense que c'est vous là. Caractère de l'autre personne. Au mois de mars. Ok.
L'énergie de la personne de gauche vis-à-vis de l'autre au mois de mars pour les balances. L'énergie de la personne de gauche vis-à-vis de l'autre. Ouais, clairement. Je pense que vous êtes là, mais bon, on ira voir. La personne en face vis-à-vis de l'autre. L'énergie. Oh, oh. Elle est face à son karma. Ok, qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois de mars? Qu'est-ce qui se passe entre vous au mois de mars? Balance et son autre. Alors, elle est tombée. Oh oh! As de Pentacle, une proposition sérieuse arrive. Oh, et deux de coupe, ok. La justice. Est-ce que c'est à vous ou au scorpion? Je ne sais plus. Où j'avais vu... je ne sais plus où j'avais vu. Je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre parce que c'est la justice divine. C'est la récolte. C'est le karma en quelque sorte, le mois de mars. Et c'est tout ce que vous avez semé avant qui va vous répondre. Enfin, il y a un truc comme ça. Je ne sais pas si c'était à vous. Mais ok. Ici à gauche, le caractère de la personne au mois de mars. C'est-à-dire ce qu'elle va exprimer au mois de mars. La personne de gauche ici, elle tourne le dos. Voilà. Elle tourne le dos à tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne la nourrit pas. Elle est en train de s'alléger d'un poids au niveau émotionnel. Elle est en train de guérir. Elle est en train d'aller vers l'inconnu. Elle est en train de s'offrir une nouvelle vie. Elle est en train de sortir de l'ombre. Voilà. Ici à droite, mais il y a peut-être un côté bluff. Je quitte et puis je verrai qui réagit au fait que moi j'avance et que je quitte tout et que je me détache de tout. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été voir en face ces vieux démons. Sincèrement, on pourrait parler des liens divins parce qu'on a le 2 de coupe, parce que j'ai la lune ici, parce que ici je ressens beaucoup la féminine et ici je ressens beaucoup le masculin par rapport au tirage que j'ai fait masculin sacré, féminin sacré. Je vous le dis honnêtement. Parce que regardez, la féminine ici, elle est toujours en avance par rapport au masculin, d'accord? Parce que tout part de l'intérieur et que la féminine, elle est déjà beaucoup plus à l'aise avec le monde intérieur. Donc, c'est logique. La féminine, elle a vu la lune. La lune, ma part d'ombre. J'ai été affronter mes vieux démons, mes parts d'ombre, mes peurs, mes craintes et mon mode d'illusion. Tout ce qui me ramène dans le noir, tout ce qui me ramène dans le sombre, toutes mes croyances limitantes, je les ai affrontées. Et maintenant, je suis au stade de je m'en libère, 8 de coupe. J'avance. Je m'offre un nouveau départ. Par contre, là, en face, en lien avec l'autre, je vis en pleine face la lune. Je la vis maintenant. Donc, je pense que ça peut nous parler de ça. OK? OK. Donc là, voilà, on se libère, on va vers l'inconnu, on est en train de faire des nouveaux plans au niveau amoureux, on va mieux, on sort du froid, on sort de la sécheresse émotionnelle, on sort du vide, on sort des peurs, on sort de l'ombre. Voilà. Ici, en face, oulala, reine d'épée. Déjà, je ressens la Vierge. À chaque fois, dans la Reine d'Épée, je ressens la Vierge. C'est peut-être le côté Mercure, je ne sais pas, mais je ressens beaucoup la Vierge. Mais bon, la Reine d'Épée, c'est le Verseau. La Reine d'Épée, ici, elle nous dit qu'elle est en train de réaliser quelque chose. Au mois de mars, ce n'est pas le caractère, l'énergie vis-à-vis de l'autre. C'est que cette personne, au mois de mars, elle est dans sa tête. Elle a mis de côté l'émotionnel parce qu'elle a une décision à prendre et va falloir qu'elle soit... Vous voyez, c'est ce côté où il faut avoir du sang-froid. Parce qu'elle a le sang-froid, parce qu'elle est toute blanche. Je dois avoir le sang-froid de faire quelque chose, de prendre une décision, de poser une action. Mais ça me demande du courage. Donc, il faut que je mette les émotions de côté. Un certain self-control, je dois avoir. Voilà, pour ce faire. Mais, elle réalise quelque chose, la personne ici. Elle capte quelque chose, elle est lucide sur une situation et elle se laisse plus berner par ses émotions. Peut-être qu'on a quelqu'un qui avait énormément peur avant, c'est possible. Mais en tout cas, au mois de mars, on a quelqu'un de très cérébral ici, de très self-control ici et quelqu'un qui doit prendre une décision tranchée. Quelqu'un qui est mis face aussi, qui est mis face à ses souffrances et à sa sécheresse émotionnelle ici à droite. Ici par contre, on lâche. On l'a peut-être vécu ça, mais on est à un stade avancé. Ici, vis-à-vis de l'autre à gauche, par contre, on quitte. On quitte et peut-être qu'on a même un enfant en commun, mais c'est pas grave. J'avance avec notre enfant, mais voilà. Il y a peut-être ça. Mais sinon, j'avance. J'avance, je fais ma vie, je quitte tout ce qui est toxique, je quitte tout ce qui me prend la tête. Je vais vers de nouvelles contrées, je vais vers une nouvelle vie. Je lâche prise avec tout ce qui me casse la tête. En gros, c'est ça. J'avance et j'abandonne. Je quitte, je fuis même, c'est une fuite ici. Je fuis l'histoire, je fuis le lien, je fuis les contrariétés, d'accord? Ici à droite, peut-être le fait que tu me fuis, je suis face
à mes peurs. Je suis face à ma part d'ombre. Je suis face à mes craintes. Voilà. Je vais juste remettre des cartes pour éclaircir ça. Six d'épée ici vis-à-vis de l'autre. Six d'épée ici vis-à-vis de l'autre. Ouais, exactement. Et à droite. Alors, j'ai pas fini. À droite. Attendez, mais j'arrive pas à poser la question. À droite, vis-à-vis de l'autre avec la lune. Mais oh, oh. Tout tombe. Ok, à droite, vis-à-vis de l'autre. À droite, avec la lune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation. Ok. Passion. Ok. Ce que je ressens, c'est que la personne ici à droite, le fait d'être isolée, l'autre ne l'aime plus. Du moins, l'amour est non réciproque cette fois-ci. Elle s'est détachée, elle ne m'aime plus, la personne de gauche. Elle s'isole de moi, elle tourne le dos, et peut-être même avec un autre partenaire que moi. Ok ? J'ai envie de l'attirer à moi maintenant. C'est toute la contradiction de l'être humain, mais j'ai envie de l'attirer à moi. Et j'ai envie, je suis en train de réaliser que c'est peut-être mon âme sœur. Ok ? Ça, c'est ce que je ressens. Mais je pense que ça va passer par la passion. Je pense qu'on a ici quelqu'un qui, sincèrement à droite, coupé au niveau émotionnel. Coupé complètement au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui, ça fait très longtemps qu'il n'est pas tombé amoureux. Fou amoureux. S'abandonner dans l'amour, impossible. Ça me fout la trouille parce que je perds le contrôle. C'est quelqu'un qui a besoin énormément de contrôler. Je pense que ici à droite, c'est quelqu'un, ça peut être vous, hein, très intelligent. Extrêmement intelligent, extrêmement futé, extrêmement malin, pas vicieux pour un sou, pas du tout, beaucoup de principes, beaucoup de, c'est quelqu'un de fiable, mais qui a toujours, enfin qui a pas toujours, qui a longtemps, depuis très longtemps, mis le cœur de côté, l'émotionnel de côté, l'amour de côté. C'est quelqu'un qui ne sait plus aimer, c'est quelqu'un qui ne sait plus s'abandonner émotionnellement. Et je pense que c'est un problème avec la mère, honnêtement, je pense que c'est un problème lié avec la mère. Cette personne de droite, vis-à-vis de l'autre, elle est face à ses craintes, face à ses peurs. Elle réalise que c'était peut-être mon âme sœur, que j'ai peut-être merdé. Ça me met face à mes illusions. Voilà. Ce sombre dans lequel moi-même je me suis mis, ok, sans m'en rendre compte, parce que j'étais mal, parce que j'étais triste, parce que je me suis coupée d'un point de vue émotionnel. J'ai énormément de messages du divin, parce que c'est la médiumnité quand même, la lune. J'ai beaucoup, beaucoup de choses qui me reviennent. Mais par contre, cette personne, comme elle est coupée au niveau émotionnel, ça va être par le corps. C'est-à-dire que cette personne à droite, c'est l'attraction qu'elle a pour l'autre, le désir charnel qu'elle a pour l'autre, l'attraction au niveau physique qu'elle a pour l'autre qui va d'abord s'exprimer, avant que ce soit de l'amour. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui est bloqué au niveau de l'amour. Ce qui nous explique pourquoi cette personne, parce que pour moi c'est la personne de droite qui va faire une proposition, mais elle fait une proposition as de denier. Elle fait une proposition sérieuse, sur le long terme, oui, mais qui n'est pas de l'ordre de l'émotionnel. Faites attention, c'est après seulement que je vais dans le de deux coupes. Ça rejoint un peu les célibataires ici, parce que pour moi ici, vous êtes séparés au mois de mars, honnêtement. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes séparés, mais pour moi la personne de gauche quitte la situation, ou a quitté la situation, ou énergétiquement est en train de se détacher. Mais en tout cas, vous n'êtes pas ensemble, donc ça me rejoint. Le tirage des célibataires où on disait « Laisse les bons vents de porter parce que ce n'est pas le moment de redécoller. » Tu dois, il y a des choses qui vont se passer. Et si dans votre lien ici, si vous êtes à gauche, je vous recommande de continuer votre détachement, continuer d'évoluer grâce, de faire des émotions négatives une force pour vous, de continuer à être optimiste dans votre vie, mais en enterrant cette histoire. On voit que cette femme, elle pose une fleur sur une tombe. J'enterre cette histoire. On vous recommande de continuer. Parce que si vous reprenez directement cette personne, vous retrouvez une reine d'épée. Une reine d'épée, elle n'a pas d'amour en elle. Elle a de l'amour, mais elle l'a bloqué. Donc, pour arriver au 2 de coupe, d'abord, il y a l'as de pentacle. D'accord ? On propose un as de pentacle. Mais il va falloir que cette personne change. Ou du moins, passe par une nuit noire de l'âme, passe par, si c'est vous, et ça va vous sauver. N'ayez pas peur, ça va vous sauver d'affronter vos peurs. Vous savez, il y a une phrase, et je l'ai recommandée aussi pour les taureaux. Je regarde je ne sais pas si vous connaissez David Goggin. En fait, je regarde une chaîne qui s'appelle Motivaction. Je vous invite à aller la voir. Il y a Schwarzenegger, il y a tous ces gens qui se sont battus pour s'en sortir dans leur vie, qui sont partis de rien, qui ont été au-delà de leur... dépasser leurs limites, en fait. Et j'adore une phrase qui dit, la majorité des gens,
cherche le confort, alors que c'est dans une zone d'inconfort qu'on peut développer le meilleur de soi-même. Et je pense que si vous êtes là, il va falloir passer par cette période d'inconfort qui vous fout la trouille parce que l'être humain spontanément recherche le confort, la paisibilité, la sérénité. Mais c'est dans cette zone d'inconfort que vous allez retrouver une réelle liberté. Parce que tant qu'on se dit non, 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 je refuse l'amour, comme ça je suis protégée, mais t'es pas dans une liberté. Tu passes ta vie à fuir quelque chose, à craindre quelque chose. La réelle liberté, c'est de ne plus avoir aucune crainte. Donc c'est très positif, même si c'est une zone d'inconfort que tu dois traverser, une zone de turbulence. Mais il faut que tu passes par là. Parce que sans ça, tu n'auras que des histoires basées sur l'intellect. Donc, il n'y a pas d'amour. Ce sera que des histoires qui ne te nourriront pas. Donc, voilà. Mais par contre, ça va vers un 2 de coupe. Donc, fin mars, il y a une reconnexion émotionnelle entre vous. Et regardez quand même, derrière la passion, j'avais lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. D'accord? Mais, ouais, karmique, c'est pas loin. Confiance, c'est pas loin. Il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Il y a du karma à libérer dans tout ça quand même. Donc, mais. Pour moi, il y a une expression d'amour, une déclaration d'amour, une reconnexion émotionnelle. Ça va se faire en 2 temps. Voilà. Et ce sera plus fin mars, mi-mars, que vous vous retrouvez qu'il y a de nouveau une connexion. D'accord? Mais attention, attention, laissez les bons vents vous porter ici à gauche et traversez cette zone, certes d'inconfort et de turbulence, mais pour vous reconnecter au niveau du cœur et guérir la relation peut-être avec la mère. Peut-être une mère intransigeante, très exigeante, très froide. Je ne sais pas, c'est possible. Mais il y a quelque chose comme ça. Mes chouchous, j'ai fait une vidéo super longue, donc je vous fais des gros gros bisous. Je vais continuer tout ça sur l'extension pour ceux qui veulent venir sur l'extension. Et pour les autres, je vous mets d'autres vidéos susceptibles de vous plaire sous cette vidéo. J'avais même fait des intemporels sentimentaux, vous et votre autre célibataire. Bref, n'hésitez pas à aller voir tout ça si vous en avez envie. Et aussi, je vous invite, si vous en avez envie, j'ai fait un tirage pour le mois de mars. J'ai fait janvier, février, mars, selon votre année personnelle. Donc, c'est de la numérologie. Chaque année, on switch énergétiquement, on rentre dans une nouvelle vibration. Ça n'a rien à voir avec le chemin de vie. Donc, je vous laisse calculer ou sur Google votre année personnelle ou sur ma chaîne, je vous mets sous cette vidéo de quoi calculer votre année personnelle pour 2021. Et une fois que vous avez votre chiffre compris entre 1 et 9, vous pouvez aller voir votre tirage du mois de mars où vous avez de l'amour, du développement perso, plein de conseils. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous pour ceux qui s'arrêtent là et à tout de suite pour les autres. Bye bye. Un, nouveau départ. Bisous.